Eh, hey, nous devons appeler là, je dis à bonjour. Bonjour d'abord, je dis à c'est mercredi 20 décembre 2023. Année après presque fini, nous allons manquer un petit jour. Mais quand même, nous là, et j'espère que nous avons passé une bonne soirée, nous avons passé une bonne journée. Mon compagnon de la Voix de l'Amérique, pas oublier de visiter toute plateforme New York, et sur les connaissances qui ont passé dans le monde. Nous avons parlé d'abord des activités à son international. D'abord, les pays européens, surtout l'Union européenne, là, et bien, après, on rencontre marathon, et bien, ils ont une entente pour que ils partagent et prix, et bien, encore coût et immigration. Ils ont changé de toute façon pour accueillir les programmes, ou bien, encore loi sur réfugiés, mais tout. Partager coup que quand c'est mon cap vidé sur surtout mon cap ceci en Afrique à l'autre côté, et bien surtout dans l'état studio qui peut-être même pas seulement pas gagné à ce côté, mais pour que vous partagez peine avec vous et que bon fond cap disponible pour aider vous et faire face à quand c'est immigrant cap venir donc tout le monde mieux. Et pourquoi officiel parce que deux l'authenticité dans l'Union européenne qui pour approuver lui. Mais au moins, il a débouché sur un résultat que vous trouvez qui est satisfaisant. Selon la façon que vous faites face avec les déplacements humains qui ont fait, et surtout le monde qui a soutenu dans le pays, qui a des problèmes, que ce soit la guerre ou bien encore les problèmes économiques qui ont cherché l'asile de l'autre côté. Mais tout, il y a une façon que vous faites procédure là, c'est-à-dire que ça a l'air fin questionner maintenant. Font dossier pour lui, chercher voici mon horizon valable pour que il était dans le pays a, et si pas valable et façon pour qu'il est faire un gens pour qu'il envoyer le tourner dans et déporter si là comme ça pour le tourner dans pays côté soutien. Donc yo je nous entendre sur question si là. L'autre gros question qui gagne tout c'est le président Volodymyr Zelensky qui ont gens babier qu'on y a là parce qu'il dit que et d'abord, ils ont pas rencontré avec responsable d'un pays européen qui était bloqué une assistance financière que l'Union européenne a réuni pour Bali pour aider et faire la guerre contre la Russie dans la guerre, donc comme il était besoin. Donc, ils ont pas rencontré avec responsable ça pour que les convaincre pour sur nécessité pour que la salle nécessaire pour lui passer. Si il veut dire que il considère que c'est l'Europe qui veut dire guerre, donc faut que aider continuer Bali. Ibabé tout dit que les États-Unis ont toujours exprimé espoir que les États-Unis sont capables, ou bien encore Congrès, toujours des possibilités pour Congrès passer et voter et demande que l'administration américaine ait fait Congrès pour voter l'argent. Alors, son l'argent que l'administration a demandé non seulement pour Israël, mais demandé tout pour l'Ukraine. Et bien, il dit qu'il espère que Congrès est toujours capable, toujours passer. Et voter l'agence et permettre que le jeune comme là. Son sujet que d'abord que l'administration américaine pour parler, a discuté toujours avec le Sénat, surtout avec les républicains, pour justement pour voter et voter et budget ça, ou bien financer ça pour pour l'Ukraine. L'autre nouvelle, les Nations Unies ont gagné pour voter en deux occasions une résolution sur. Et guerre et dans le territoire Gaza que Israël a mené et bien et probable que je dis il y a qu'à une troisième tentative mais était à chaque fois pendant deux fois ils ont envoyé et que possibilité je dis et mercredi 20 décembre il y a capable voter sous proposition loi ça justement pour capable pas proposition loi voter sous résolution ça que quelques pays a préparé et mais comme c'est préparé pour moi donc cesser le feu dans la guerre, mais malgré tout ça va empêcher que Israël continue à attaquer ou bien à mener attaque toujours dans le territoire Gaza. En parlant de ça, il y a un responsable Hamas qui trouvait en Égypte et côté le bras et faire négociation certainement pour cesser le feu. Donc je suis déjà arrivé en Égypte déjà, donc on compte la fête déjà, je ne vais pas dire à qui mon exactement, mais je suis déjà arrivé en Égypte. Donc c'est la situation et justement concernant ça et puis États-Unis doit faire effort pour que l'autorité palestinienne autorité palestinienne reprenne contrôle territoire Gaza pour ta gouverner li et ben Israël pas semblé trop en faveur Israël dit Hamas pas capable d'y encore du tout mais États-Unis veut pour
et Palestine toujours là et que autorité Gaza je non moins plus eux même c'est eux qui dirigent. Je rappelle que Hamas était coapé et autorité palestinienne en 2007 d'ailleurs qu'ils prennent contrôle du territoire Gaza et qui a pu depuis là ça et c'est ça Israël dit Hamas pour lui-même Hamas représente une menace pour l'État Israël donc c'est une raison qui j'ai vu hier après attaque du 27 octobre passé donc voilà et puis n'a pas été aux États-Unis nouvelle là c'est que un tribunal fédéral américain dans l'État Floride condamné ancien sénateur haïtien John Joel Joseph pour passer toutes 13 villes en prison pour participation à l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Donc, M. a passé toute ville en prison. Ça fait troisième monde que le tribunal l'a condamné à vie pour passer ville en prison. Et dans la semaine prochaine, on l'autre monde encore, on l'autre accusé encore qui parle pour le temps des sentences et tout, qui était déjà été coupable, mais il parle pour le temps des sentences et tout que tu viens de parler. Dans l'intervention dont Joël Joseph fait, la presse a apporté, dans l'intervention qu'il fait et devant le juge là, et bien il dit que il regrette ce qui passé, il présente une excuse, il dit bah, famille et de fin président. Et il présente excuse au peuple haïtien, il dit que son bal qui pas de rivé, mais il dit que l'air était sous cette nan, et bien bon, les dernières décisions finales là, monsieur était dit si assassiné, il assassiné le président, ça aurait été tout, et bien, il dit que il pas de cafouin encore parce que sinon, il pas de cafouin ni même de ça, et par crainte que Dieu ne pas de mort. Donc il présente excuse lui, de témoin du tribunal là. Pour te gon pitié pour lui mais le juge là dit le juge là dit non et ou t'es participé encore là lire reconnaître que t'es participé non c'est non contrôle de faire des démarches pour permettre de louer machine chercher des armes etc il passait des rencontres et même la veille assassinat là tout et bien donc ça fait pratiquement gain 11 monde qui normalement qui inculpé aux États-Unis ce dossier ancien président Jovenel Moïse et qu'on paquet l'autre monde qui dans prison qui pas dans prison qu'on paquet l'autre groupe Colombie surtout qui dans prison en Haïti ce dossier c'est là et juge là et juge Walter Rousseau Walter Capan qui était capable de ce dossier là il continue à faire audition il continue à attendre et attendre monde que et qui semble être avec information dans meilleur bon seul monde que censé kembe dans prison. Et sous dossier-là, c'est ancien magistrat Ville Jacmel-là. Qui était venu en audition, il était Kimbé. Après ça, c'est audition qui a fait sous. Et alors, Maki, c'est ça, Maki qui ça, c'est magistrat Ville Jacmel-là. Et là, le magistrat intérimaire. Donc, il était venu en audition, et puis le juge a tout Kimbé sous dossier-là. Et puis, le tribunal, le commissaire gouvernement de Port-au-Prince, était fait une session extraordinaire ou bien ordinaire dans la prison civile Port-au-Prince pour être libéré près d'une quarantaine de monde qui étaient dans la prison pour différentes bagues qui étaient en prison parce que tu vois mon téléphone qui est en prison qui fait 5 qui fait 3 4 5 ans en prison parce qu'il devait un téléphone ou bien il devait un ordinateur un laptop etc donc j'ai dit que le était comme ça il peut être carité différent parce que c'est des peines qui étaient calées jusqu'à 6 mois en prison. Alors que mon a fait 5 ans sans parler pas devant le juge, donc les gens ne parlent pas devant le juge naturel pour détendre les dossiers. Donc il pense que c'est justice qui fait. Bah, mon a fait plus de temps que normalement que si tu as condamné, mon a été libéré déjà, mais je suis là quand même, ils font ça. C'est pas au moins levé, mais libéré. Et bien, les Nations Unies, ils ne parlent pas sérieusement là pour déploiement de forces multinationales là en Haïti. Et financement passé dans l'opération, il y a un peu d'autres monde qui dit pour ça que la police, pour ça que papa ne peut pas prendre l'argent investi dans la police habitant pour permettre que lui-même lui fasse face carré avec ses situations sécuritaires et que ces policiers étrangers ont cherché une garantie de sécurité. Donc il y a plusieurs secteurs qui parlent d'appui, qui demandent pour ça qu'on n'a pas investi plutôt dans la police nationale là et même dans la médaille. En tout cas, les Nations Unies ont annoncé que le prochain groupe, le prochain premier contingent
police et police là ou bien force multinationale ou bien force sécurité et policiers ça ben l'état de l'Union Haïti dans premier trimestre 2024 là donc pour une des policiers là et puis un rapport publié tout qui dit que les grand pile plus facile au milieu policiers qui elle quitte institution. Et en plus, nous avons plongé de actuellement sur le programme Biden, avec le programme humanitaire et le programme humanitaire Biden, qui s'est responsable de fuite, cadre, employé cadre et l'État haïtien, que ce soit dans l'administration publique, là, des médecins, des ingénieurs, dans la police, dans l'autre secteur, tout, le secteur privé, et bien, nous avons en plus, nous avons fait la guerre. J'en ai dit là. Eux la guépé et yo jeune monde qui rempli papier pour yo mais yo ici aux États-Unis donc ça il y a participé au programme Biden qui ont duré de 2 ans pour capable être aux États-Unis dans programme ci là et dit que en pile monde en pile que ce soit même conseillant même par exemple et université autour à Babitou yo pas gagné enseignant yo pas gagné encore enseignant yo aller dans le programme Biden non avec soit que le cas je n'aurai pas mieux pour l'utilisation donc sont ceux qui sont tellement et soulevant puis le commentaire parmi la population sur et programme humanitaire Biden actuellement pas besoin d'aller dans l'ambassade américaine pour aussi seulement besoin de monde au monde aux États-Unis qui ont un support financier ou qui ont un cadre financier assez élevé et bien monde ça lui même est capable appliquer pour vous et puis nous sommes allés à Kamalvina et participer dans le programme Biden. Donc il y a plusieurs institutions, c'est tout le monde qui continue, tout le monde joint et toutes les institutions perdues, toutes les institutions, bien encore l'autre entreprise, mais le pays a lui-même, et bien même l'école à Babi et tout, il n'y a pas d'élèves pour caper les professeurs, il n'y a pas assez d'élèves. Et gain professeur ben professeur tout aller tout donc pareil professeur pour enseigner les vieux tout et tout le monde dit que il semblait que mon n'avait pas ouais gain emploi cadre dans l'administration publique là tout que mon pas ouais et ben là vient apprendre que mon ça yo jeune yo visa Biden ou bien qu'il a participé dans le programme Biden humanité Biden et yo trouvé actuellement aux États-Unis et tout secteur que ça c'est la presse. Et puis il y a un appel qui a pensé tout pour un journaliste qui semble que l'inconnu a kidnappé. Et puis je sais peut-être qu'il lance un appel pour demander libération journaliste là parce que dit pour quand c'est pas demandé à mon Yvan là, ça pour bail. Il a demandé pour libérer et confrère ça qui semble que au Paroué, il n'y a pas une nouvelle libre. Il t'a semblé que c'est kidnappé parce que les gens qui ont demandé, nous sommes l'argent que les parents payent. Ils sont encore nous pour nous parler de haut et puis dossier immigration sous affaire Texas là. Eh bien, il y a un groupe militant qui a défendu immigrants, et bien, ils sont allés au tribunal, puis ils ont un juge pour faire une injonction pour empêcher que la loi et que le gouverneur de Texas a gagné qui doit entrer en application le 5 mars et puis on est pour loi ça pas entrer en application donc jusqu'à présent il y a une discussion à faire mais il y a plusieurs organisations il y a ça gouvernement et président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui critique la loi que le conseil pour une loi qui est inhumain donc il promet lui-même tout pour lui aller dans le tribunal tout parce que dans la loi il dit que tout le monde que Texas t'a joint ou bien agent de l'ordre t'a joint et au Texas qui t'a semblé t'a traversé frontière sans document légal et bien liba autorité policière ou bien agent force de l'ordre doit pour arrêter mon ça et t'a ça ramené dans le tribunal et juge à lui-même les mon avis devant les capable déférer pour demander pour aller au Mexique et si mon n'a pas voulu aller pour que ça sans parler retourner au Mexique et bien bon, on a passé entre 6 à 20 ans en prison, ça dépend combien de fois que je suis pour une fois. Donc c'est peut-être 6 mois, mais après ça, les gars passent jusqu'à 20 ans en prison s'il n'est pas d'accord pour lui retourner. Alors Mexique lui-même dit qu'il y a une obligation pour lui accepter les gens que les États-Unis ont refoulé, les gens que les États-Unis ont expulsé, la CAI n'est pas obligé d'accepter.
Donc, Kounia, c'est ça pour un valide ici. Alors, question, c'est que la loi ne prévoit si le Mexique peut accepter mon nom. Parce que les États-Unis, même, ça veut dire que mon nom sorti au Mexique et maintenant, pour tout le monde, pas côté de sortir. Mais si mon nom n'a pas accepté pour si nous parlons, la loi ne dit que ça n'a pas mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le pays d'origine. Donc, c'est un beau dossier qui est devant, un beau dossier même qui est actuellement en discussion. Et que ça dans le tribunal et militants eux très modiques c'est d'ailleurs même dit que loi ça sont loi qui parce que craignent que et sous qui critère qu'un policier pour le baser ou bien un agent de l'autre pour le baser pour un monde pour le dire monde ça je suis sûr qu'on a payé son document légal qui critère donc je dis que ça veut dire que ils craignent pour que et force de l'ordre pas fait ça aller et pour fil racial ça veut dire que le gado bon parce qu'au noir bon, de bon, vous sont immigrants, et de vous sont immigrants, ils sont rentrés là illégal. Donc, c'est mon nom qui a décidé lui-même. Donc, c'est sûr, peut-être qu'on est en blanc, on est en blanc, et puis on rentre dans le pays illégalement, ils passent sur le bord qui vaut, parce qu'ils sont blancs, donc c'est, ils ont gardé selon. Alors, nous t'a expliqué nous ça, et au fil de la salle, rien n'est fait, on doit avoir une machine, et machine son machine coûtait bien cher. Et puis, alors, dans le temps, il était comme fait comme ça, et puis, policier, et puis, un agent, et un policier qui a son dans la machine, et puis, dans le temps que il était comme fait ça, il est profil racial là, et puis, il gado, et puis, il dit, je ne sais pas que monsieur a poussé des machines, ça, non. Il t'a servi sur la machine, monsieur, il a gagné dans mauvaises conditions, ou bien son machine, le volet, ou bien, et puis, il décide de camper, parce que la loi a le droit pour le camper, pour le camper, pour la circulation. Et les salles par jour, et puis nous avons cherché mon carré papier machine. Il commence à chercher preuve que la machine est pour. Si la machine est pour, il n'y a pas de preuve que la machine est aller. Des fois que ça arrive très, que, comme son machine est absente, et puis et ça arrive le camp en fonction de couleur, en fonction de qui genre. On sait de bail. On va bien m'expliquer, non. On va les confondre avec ça. Puis il y a une tribu, il y a un coup suprême. Et à Colorado qui prend décision qui dit que l'ancien président Donald Trump pas capable de participer à l'élection primaire parce qu'il a fait pour désigner le candidat qui a proposé de partir dans l'élection 2024. Donc ça qui passé c'est que alors son loi est évoquée parce qu'il prétend que le président et ancien président ont gagné pour avec l'un et deux autres députés 21 et 6 janvier 2021, des dominants là, dans le bulletin ça là, il veut dire qu'il était participé dans une sorte de destruction contre le gouvernement, mais il n'est pas qualifié pour participer dans l'élection présidentielle. Mais Colorado lui-même dit que je ne suis pas capable l'élection, dans l'élection, prochaine élection que le Parti républicain a pour le faire dans son élection générale pour le Parti républicain. Côté ces membres partis seulement pour voter pour désigner représentants dans l'élection présidentielle en novembre 2024 là et bien il dit que monsieur pas capable dans l'élection primaire ça pas fait là il pas là dans le donc de toute façon et loi pays a tellement on fait dans l'autre gens et bien ancien président déjà annoncé lui-même il parlait en appel alors appel par là parle devant la Cour suprême qui c'est dernière instance, c'est le Cour suprême au État qui prend décision, hein? Et bien il prend devant le Cour suprême, en d'ailleurs le Cour suprême national, le Cour suprême fédéral, là, qui c'est dernière instance, là, et bien il prend le dossier devant, justement pour les contester décision Cour suprême et État Colorado à prendre. Donc, on a prêté tant pour moi, mais en attendant, il y a un temps pour devant pour le faire. Et avant que la décision que tu aimes, que doit venir entrer en application. Donc, on est pour moi. Tant pis de dossier, mes amis. Tant pis. C'est un dossier que j'ai dit, Augustin, va parler un petit peu de ça. Et puis, et à New York, il y a des problèmes tout, parce que l'État de New York commence à mettre des immigrants qui ont été hébergés, des logements pour arrêter dans un hôtel, des logements, mais ils ont demandé des gens pour faire mal à l'étude. Ça, c'est l'autre côté pour aller. Et Ville New York dit qu'il n'est pas capable encore. Top pour lui, il dit que nous sommes là pour 2 mois, et bien, pas de moyens encore, jetez-nous. À moins que nous voulions de l'autre côté,
pour aller de l'autre côté, mais il a dit remettre caille côté du territoire, mais c'est un hôtel qui était transformé en logement, en abri pour immigrants. Et bien, il a demandé à tout le monde de dégager, faire malette et remettre côté. Donc, c'est situation et pour immigrants qui étaient déjà rentrés. Et Gampé là-dedans, tout qui est exacté, parce que c'est exacté, Greg Abbott, qui est en politique. Tous les immigrants qui ont été rencontrés ont été exacté, ils ont dit mettez-vous dans le bus, voyez-vous dans la ville démocrate, ville que démocrate a dirigé. New York, c'est une là-dedans, et vous voyez tout Chicago, vous voyez tout Boston, et même Washington là. Même Washington là, ils vont voir devant Kai, et devant Kai, vice-président et Kamala Harris. Eh bien, nous souhaitons passer un bon après-midi. Et moi, nous sommes contents avec Jacqueline hier. Nous avons en pile étoile. Nous avons la commission pour nous demander de dire bon retour là. Bon, nous avons dit que nous avons changé de retour là, que l'inette a changé pour l'être. L'elta, l'inette là, c'est blanc. Quand il y a l'elta, l'inette là, tout noir. Donc, nous n'avons pas de problème. Et santé bon quand même. Ok? Bon après-midi tout le monde. Le soleil qui lève là, je ne sais pas même si le soleil là même. C'est Freddy, puis Freddy. Cela va faire bien du tout. Bon, puis Freddy toujours. Il y a plus mal. Il y a un vent qui t'a soufflé. Mais je ne dis pas qu'il y a un vent, mais il fait Freddy quand même. Quoi, Freddy, côté lié là, dans New Jersey, monsieur doit prime côté lié là, parce que monsieur lié dans le paradis. Nous-mêmes là, qui dans l'autre côté, que ce soit, c'est au Mexique. Eh, hey, pour nous-mêmes qui au Mexique, rappelez-nous. Et depuis le gouverneur Abbott fin signé loi, autorité CBP dit li arrêté plus passé 10 000 moun l'arrêté qui essaye de traverser la frontière sans document légal. Arrêté avec yon rentré, yon pont. Donc nous comprenons que marché pressé qui gagne, en tout cas, pas venir sur la frontière, mes amis, si nous pas gagner rendez-vous. Parce que ça, les États-Unis disent, vous voulez venir, prenez rendez-vous. À lancer BP1 online, chercher un bon téléphone, et puis suivre toutes les démarches, et puis venir demander asile. On est venu, on va voir ce qui va passer. Ok? Allez, on va parler.